Eh bien, salut tout le monde, c'est Texas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le serveur Blood Symphony pour un petit hors-série. Donc, normalement, aujourd'hui, je devais vous faire une vidéo sur le Let's Play, mais il se trouve que Monsieur Fanamanga et moi-même ont trouvé une idée pas trop mal, donc je suis en très bonne compagnie. Salut à toi. Salut tout le monde, c'est Fana et je suis avec Tex pour vous montrer comment faire les donjons et aussi où ils sont placés en général. Voilà, donc on va faire une petite vidéo entre guillemets explicative de tous les donjons, je pense, ouais, la plupart de ce qu'il faut savoir en fait sur les donjons. Donc je te propose déjà qu'on affiche le chat. Option Sûr. hop. Alors. Et on va retester ce que j'avais fait la dernière fois. Tu peux afficher le message. Ah voilà. Attention, va-t-il y avoir des répondants? Alors, je sais pas s'il va y avoir du monde parce que tout le monde est un peu occupé, mais normalement. Ah, Bonjour. DJ, bonjour Ah, YouTube. voilà. Ah voilà, fallait que ça vienne, fallait que ça monte au cerveau. Eh oui, Ah voilà, c'est ce parce que qu'on moi je suis aime. pas mal, ça marche toujours. La preuve. Bon, il faut savoir que Monsieur Fanamanga est un modérateur, comme vous pouvez le voir, donc ça marche un peu mieux déjà, on peut le voir. Merci. Alors, donc Oh, avec t'as mis un texte. petit. Je sais pas comment t'as fait pour mettre un petit cœur. Ouais. Alors, tu fais juste. Ben, tu fais un cœur et en fait, ensuite, ben, ça s'affiche automatiquement. Oh, ah ouais, ok, je savais pas. Bon bah Alors, moi je suis devant la Warzone. ok. Ah oui, donc ok. Bah je te propose qu'on commence par mettre nos stuff dans l'under chest, Ouais, moi histoire de c'est pas déjà se faire fait. piller comme un porc, comme des Alors, porcs. on fait ça parce que, comment dire, il y a beaucoup de monde dans la Warzone. Et en fait, nos stuffs sont protégés quand on sort. Ouais, du Ce moment qu'on nous n'est pas évitera de se faire kill en plein milieu de la vidéo. Ouais voilà, du moment qu'on n'a pas d'épée ou de quoi que ce soit, il faut juste pas se faire loot sur la gueule. Donc je te propose, bah on te suit, du Passe. coup tu seras un petit peu le guide de la vidéo. Je te propose Alors, pour aller au je premier saute donjon. la question. Je te suis. Alors, je vais vous montrer le tout premier donjon numéro 1. C'est un donjon très très facile à faire. Ok, je te suis. Alors, prenez le petit pont, vous voyez un peu par où on est passé. Vous passez sous l'arche, la double arche. Et vous continuez là-bas jusqu'au bateau, Jusqu'au si je me rappelle bateau. bien, ouais. Alors, ce donjon est vraiment très très facile. Toutes les instructions sont marquées devant, justement. Regarde, si tu peux filmer. Ouais, je fais ça tout de suite. Alors, donjon, difficulté 1 sur 5. Donc, il faut savoir que les donjons sont rangés d'une difficulté justement de 1 à 5. Le niveau 1 étant le plus facile, vous vous en doutez bien. Et ici, vous avez une très bonne indication. Ouh là là, on va se calmer, monsieur. D'accord. Alors, nous, on ne rentre pas, est-ce qu'on va pas vous spoiler les donjons? Ouais, quand même, on va peut-être pas Ah, je... montrer. Donc, le stuff minimum conseillé, c'est un stuff fer. Joint minimum conseillé 1. Vous voyez, il y a vraiment toutes les indications, c'est bien foutu. Voilà. Alors. Ensuite, la petite technique quand même qu'on pourrait donner, c'est d'aller là et puis de mettre son sketchage de guerrier avant de rentrer. Ouais, ça c'est une bonne idée, parce que sinon. Histoire de pas se Alors. faire buter avant, quoi. Ensuite, le donjon numéro. Alors, attends, le donjon numéro 2, c'est par là. Ok, je te suis. Alors, donc la Warzone est quand même assez grande pour faire. Quand il y a plein de petits coffres cachés, secrets, tout ça. Ah, vous voulez découvrir, hein. Sachant que cette vidéo s'adresse plutôt aux gens qui ne seraient pas au courant de ce qui se passe sur le serveur en termes de donjon. Moi, c'est vrai que ça fait pas très longtemps que j'ai. Alors ici c'est un donjon numéro 2 avec en fait il faut sauter dans le petit trou. Ah, d'accord. On ne crève pas là, moi? Non, ne t'inquiète pas. J'attends que tu passes. Coucou. Hop. Ah, j'ai pris quelques petits dégâts de chute, mais c'est Oula, moi pas je suis presque mort, j'avoue. C'est un peu la merde. alors. Prison. Oula. Ok, bon, je vais mourir, c'est parfait. Quoi? Bah, y a quelqu'un qui m'a tiré une flamme dans la gueule. Merci, monsieur. Eh bien, re tout le monde, on se retrouve après une petite ellipse. Avec des petits chiens qui ont été bien. Est-ce Bien que exterminé j'ai... par Monsieur Fana qui les a complètement éclatés. Et il revient, attention, il est là, il est dans la place. Oh, Je ne suis j'espère pas de juste qu'ils vont nature pas. très violente, mais bon, il ne faut pas me suivre. Voilà. Faut pas faire Alors, chier donc... mémé comme on dit, faut pas trop pousser mémé à les orties. Bon, du coup je propose qu'on prenne, j'espère qu'ils vont pas Bon, venir nous toi, je faire te... chier. Oh, il te tape, tu le tapes. Merci. Tu vas mourir, voilà. Donc comme je disais, normalement les nos stuffs sont protégés sauf si ils vous frappent, là vous pouvez pas en sortir de les tuer.
Alors, donc je disais, ici c'est un petit jump qu'il faudra réussir pour voir la suite. Je ne vous dis pas plus. On laisse le suspense. Eh oui, sinon c'est pas drôle. Et ici nous avons le donjon numéro, je ne sais plus lequel, désolé. C'est un petit saut à faire. Je vous conseille de ne pas vous louper, parce que sinon vous mourrez. Ah, c'est logique, Et ouais, en du coup. fait, Sinon, c'est un peu la donc merde. ce donjon mène à deux boss, en fait. Ça mène à deux boss différents. Lesquels, s'il te plaît? Alors, si je ne me trompe pas, il y a Alduin et il y a Gandalf. Donc, Si les c'est... boss, expliquons vite fait ce que c'est. Si vous êtes débutant sur le serveur, les boss, en fait, c'est tout simplement des boss, comme son nom l'indique, qui auront certaines sommes de PV et que vous pouvez auxquelles vous pouvez accéder, enfin, que vous pouvez affronter. Au bout d'un donjon, et à la fin de chaque boss, vous aurez des. D'accord, merci. Vous aurez des équipements et puis des petites surprises comme ça, bien sympathiques. Dis donc, Merci de tu fais un carnage là, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais c'est ce que mon ami il voulait me tuer, mais bon, j'ai pris les devants. Ouh, c'est Mais bon tiens, ça. je fais un petit stuff si tu veux. Ah bah écoute, ça pourquoi pas, moi je veux bien. Ah, j'ai des bâtons de Blaze, super. Ah oui, alors je tiens aussi à préciser que les bâtons de Blaze sont une arme avec des sorts. Par exemple, ça, regardez, je vais faire des flèches, hop, ça. Une boule de feu aussi, ça marche. J'ai sort combustion, enfin, il y a plein de sorts très très Oula, puissants. Je oulala, suis désolé, je t'ai frappé. Attends, je peux... t'as pas. Ça, c'est mail, ça, non? Ouh, t'as eu de la J'ai chance. failli l'utiliser. Ah, Bon, tiens. je propose qu'on retourne au spawn avant de se faire tuer. Oui, alors, vas-y, va au spawn, je te couvre, si jamais. Tu me couvres, ok, ça marche. Donc, on va au troisième donjon, ou bien on laisse les gens découvrir son emplacement, à ton avis? On va faire tous parce que est-ce que la plupart des agents demandent quand même où c'est qu'ils sont. Voilà Et donc, donc ça permettra de montrer un peu. si vous voulez savoir où sont les donjons, regardez cette vidéo en entier, plutôt que de harceler les modérateurs. Parce que il y a enfin ce n'est pas que moi, j'aime bien un jeu, comment dire. Il y a beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde qui nous demande où sont les donjons, alors qu'il y a juste à sortir de la warzone, ce qui n'est vraiment pas dur à comprendre, et même là, vous ne comprenez pas. Ouais, c'est. Ouais, disons C'est... qu'il faut comprendre au début, quoi. Je dirais que moi aussi j'ai pris un peu de temps à l'assimiler. Je veux bien. Mais bon, après, bien sûr, on est quand même tous là pour à vous aider si vous avez des questions, etc. Évidemment. Ah, ça Donc, va. est-ce que tu aurais un warp pour le donjon 3 éventuellement qui. Oui, alors, je te conseille de faire warp. Alors, je peux l'écrire. Masadora, si je me rappelle bien en plus. Ouais, Mazadora. Ah là là. Que je suis fort, non, je rigole. Alors, ce donjon, je vais le faire avec vous parce que. Donc, Sash Warp Masadora, ça vous téléportera directement en fait, si vous voulez, dans un donjon. Ah, j'ai pas la permission d'utiliser, donc si je peux me TP à toi. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est très bien aussi dans le serveur, c'est qu'on peut se TP. Donc, ça, c'est franchement, je l'ai pas vu dans tous les serveurs, c'est un avantage clair. Alors, je ne peux pas accepter la TP ici. Ah, attends, mais tu l'as mal écrit, je pense. Alors, ça s'écrit comme ça. Bah là je te l'ai renvoyé si tu veux. Oui, non, mais je peux pas. En fait, comment dire, c'est en zone spéciale, donc je ne peux pas Ah merde. TP les personnes. Non. C'est comme ça. Ah d'accord, j'ai écrit deux fois le. Ok. Ah oui, autant pour moi, en fait vous avez totalement accès à cette commande. Hop. Ah nickel, donc moi je Bonjour. suis venu Alors, pour du stuff. je vous conseille de rester juste derrière moi parce que ce stuff, enfin, comment dire, ce donjon est quand même pour les stuff diams Oui, vous voyez, difficulté 2 sur 5 ce donjon-là? Oui, mais les mobs ils font assez mal. Je rentre ou pas du coup? Tu peux venir, juste le temps que je tue l'autre. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'ici il faut une résistance au feu, hein. Enfin, moi je connais une technique pour passer ça, mais comment dire, je ne vais pas vous la dire, sinon ça serait trop facile. Ok, bon bah Et on vous laisse faire ça par vos propres moyens. On va voir comment vous vous débrouillez. alors, je conseille de venir au spawn. Ok, bah je fais une petite ellipse et puis on se retrouve devant le prochain donjon. Eh bien, re tout le monde, on se retrouve donc
pour la suite des événements et on va se diriger vers le prochain donjon avec Mr. Fala. Je te suis. Alors, ce donjon est un peu plus loin. Je me suis fait taper. Je vais avancer vers l'eau. Ah non, c'est pas du tout. Alors, comme j'ai dit plus tôt, dans la Warzone, il y a plein de coffres secrets et je vous conseille vraiment d'ouvrir tous les coffres parce que vous pouvez avoir de belles surprises. Là, on se dirige vers le donjon de l'arbre. C'est un donjon qui est. Pour l'avoir fait, il est quand même dur. Hein. Oui. Le boss est vraiment chaud. Ce qui est très dur, c'est plutôt. Il y a un passage qui est vraiment. Assez hard si vous, n'avez pas de potion encore une fois. Et puis Adonis est vraiment dur. Ouais, c'est vrai que seul c'est faisable bien sûr, mais bah avec une pop cheat quoi. Alors, on ne rentre pas dans le donjon bien sûr. Oh, mais là, c'est marqué hein, diamant P4 plus des potions, c'est vraiment voilà, donc on vous affirme bien que ça va être la merde pour votre gueule, donc donjon tunnel dimensionnel, donc déjà là tu sens que ça sent un peu la merde. Le trou, j'ai pas trop envie de le trouver en fait. Donc difficulté 4 sur 5 quand même, c'est voilà quoi. Et Stephanie me conseillait diamant P4 plus potion, en gros ça veut dire tu vas prendre cher. Cordialement. À quoi sert ce PNJ par contre, si tu peux me dire, c'est pour faire joli. Alors oui, en fait normalement lui il te dit voilà, regarde, c'est marqué voyageur, le mal emprunte le passage pour. Enfin, c'est marqué normalement, il te parle normalement. Ok, c'est parce que je vais désactiver. Ah oui. Attendez, on va retourner sur lui. Ah bon, voyageur, le mal, Adonis. Voilà, donc Adonis le boss emprunte ce passage pour et puis plus rien. Donc je vous conseille d'être très bien stuff pour faire bien ce donjon. Ok. Alors maintenant, on va juste se TP. Enfin, comment dire, je vais me TP à donjon numéro 5 sur 5. Normalement, ce donjon, il y a une carte qu'il faut trouver qui est dans la Warzone. Il faut aller à ce donjon, sinon vous ne le jamais, vous trouverez pas. Voilà. Alors, moi j'ai un petit home là-bas. Monsieur est prévoyant. Alors, est-ce que tu peux me TP au moins? Ben oui, TP-toi. Oula, je fais n'importe quoi. C'est juste un petit mob qui. Ok, donc le donjon qui va venir, oui, vous devez avoir une carte comme il vient d'expliquer, donc c'est un peu du spoil, non? C'est plutôt de l'aide, je dirais. Oui, on va dire que c'est. Parce que comment dire, il y a pas mal de gens qui disent ouais, mais je trouve pas le donjon. Donc maintenant, je vais vous dire qu'il faut une carte pour y aller, quoi. Voilà, donc pour aller à ce donjon, il vous faut une carte et voilà. Alors, ce donjon a été fait par un de mes amis que moi je salue. Qui, tu peux faire une petite dédicace éventuellement. Oui, alors je fais une petite dédicace à Xenort, coucou mon chou. qui n'est pas là en ce moment, mais que je salue quand même parce que c'est quelqu'un de très très gentil et voilà. Ok. Dédicace passée. Et bien, on se retrouve donc pour la fin de cette vidéo et on va finir en beauté avec un donjon spécial, un donjon qui n'est pas compris dans les 5 difficultés, donc je ne sais pas où tu es. Alors, par contre, il y a quelqu'un qui me frappe, ce qui est très mauvais, et vu que je suis no step, je suis en train de mort. Alors, t'es où? Alors, attends, je viens. Où tu alors, es c'est, alors, je vais déjà commencer par vous expliquer. C'est un donjon qui est fait en plusieurs étapes avec d'autres mini-boss. C'est un donjon qui dure vraiment très, 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 très longtemps. Comment dire, j'ai pris, je crois, 3 jours pour le faire. Ah, c'est toi qui l'as fait? Non, comment dire. Ah, qui l'a, d'accord, qui l'a, ok, tu as défié. Tu as relevé le défi, entre guillemets. Je crois que c'est un donjon qui est vraiment unique, mais vraiment, c'est un donjon. Je dis vraiment respect parce que c'est vraiment un truc incroyable. Et j'ai hâte de voir ça. Je pense que vous aussi, les viewers. Mais alors, je suis quand même une petite mauvaise nouvelle, c'est que le donjon est en réparation, car il y a eu un petit problème. Donc, pour le moment, il est fermé. Mais toujours. Donc c'est celui-là, c'est le
le boss Rydak, en fait, normalement, ici, y avait un PNJ qui s'appelait Rydak, et c'est, normalement, il est, comment dire, il est immortel. Et, Ah, d'accord. mais en fait, comment dire, il s'est échappé, et en fait, il va falloir le retrouver pour le tuer. Mais c'est vraiment loin d'être simple, car il y a beaucoup d'épreuves, et je vais pas vous en dire plus. Ouais, on va vous laisser comme pour les autres donjons découvrir par vous-même l'histoire parce que c'est quand même le but du serveur. Donc en sachant que chaque donjon, chaque chose que vous ferez, chaque coffre que vous trouverez vous apportera quelque chose d'unique. On peut même appeler ça des objets légendaires, j'en avais déjà un peu Oui, parlé dans ma précédente vidéo. ça. Alors, pour rentrer dans ce donjon, comme ce monsieur-là, il faut juste taper ce qui est marqué sur le panneau. Je vais rentrer rapidement pour montrer un petit peu. Bien sûr, je vais avec toi. Parfait. Voilà, hop là. Ouh, garde royale, ça sent le bon donjon. Oui. Donc Alors, voilà, en travaux, la quête est fermée temporairement, elle rouvrira bientôt. Donc on a hâte que ce donjon rouvre, hein, évidemment. Moi je l'ai pas fait encore, donc Ah. pourquoi pas le faire. Et Alors, ouh, je crois que j'ai vu quelque chose là. Je viens alors, d'ouvrir un coffre. alors, je te propose de le faire avec moi quand il sera ouvert, pardon, parce que c'est vraiment un donjon que franchement je dis respect hein, pour ça, c'est vraiment. Ok, bon, je laisse du coup ce qu'il y a dans le coffre juste ici. Bah, tu le gardes sur toi parce que après tu ne pourras plus Ok, bah, je prends ça. d'enfant. Bon, vous voyez, ça a l'air d'être du lourd, quête ultime, tout ça. Donc, on vous laissera lire tout ça. Et puis, je pense qu'on va se retrouver au spawn pour la fin de la vidéo. Ah ouais, on va aller, on se pose. Et on se retrouve donc pour la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et que vous aurez été informé comme vous le souhaitiez. Et surtout que vous arrêterez de harceler les modos joueurs. Donc je remercie donc Monsieur Farlamanga qui était l'invité aujourd'hui sur notre plateau et je lui laisse le mot de la fin. Alors, merci pour cette vidéo et bien sûr, si vous avez tous des questions, quelles qu'elles soient, nous sommes là, bien sûr, parce que c'est le rôle de joueur. Et je vous souhaite un bon jeu sur le serveur Blood Symphony. À la prochaine, mesdames et messieurs.